Les Coco Gamers présents Panda Sunshine in Archivius. A very original new series of guys trying to get all the Minecraft achievements as fast as possible by mining and crafting cubes, because in Minecraft we mine and we craft. That's why it's called Minecraft's Genius, oh my god! Hey, bonjour à tous! Je suis Panda Sunshine et la vie est belle. On se retrouve sur le cinquième épisode de Achieve This. Et j'ai pas besoin de vous rappeler le concept, puisqu'on a un super générique pour ça. Voilà, super nouveau générique, que vous retrouverez maintenant à chaque début d'épisode. Et je suis très très fier de ce nouveau générique. D'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est DL. Vous verrez ça dans la description. Que dire de ce générique à part qu'il est magnifique, comme la personne qui l'a réalisé. Là je prépare quoi? Je prépare à aller fighter du mob en caverne, puisqu'aujourd'hui nous allons faire un peu de minage. Et rien à voir avec Nikki. On va aller faire un peu de minage puisque je l'avais dit. Donc on va le faire. On va se prendre un petit four avec nous. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on se fait du minage à la TNT? Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être fun. Non, on va pas faire ça. On va pas les fous. Un seau, bien sûr. On va prendre un peu de charbon. Et on a plus de bois. Hein, c'était ce qu'on s'était rendu compte. Ce dont on s'était rendu compte. Donc on va se faire une hache. En fer. Ah, mais j'ai plus de bois. Donc une hache, enfin, plus de bois, c'est pas facile. Et puis c'est vrai que j'étais dans une dans un désert. Donc du coup, pas de bois dans le désert. Bon. C'est pas très grave. On peut faire sans hache. On a quelques torches. Le jour où je tomberai à court de torches, bah. Ce sera tant pis. Donc, on va prendre quand même un peu de charbon avec le four. Ça, on pose, débloque. Ce serait quand même pas mal d'avoir un peu de fer. Un peu de bois, pardon. Alors, par où on va commencer à creuser? Pas trop loin. Non, pour rester dans le désert. Parce que le désert, c'est quand même sympa. Pour après, tout ce qui va être... Ah, on va commencer à creuser par là. Allez, on est parti. Donc je vous ferai certainement des accélérés. Hein, pour tout ce qui est minage, parce que c'est chiant. Ah oui, par contre, ça va être chiant aussi. Mais non, rien n'est chiant. La vie n'est pas chiante, vous savez. Moi, j'aime bien. J'aime bien la vie. La vie est belle. Donc c'est parti, on va miner. Peut-être que Bernard sera avec nous. Ah, voilà une bonne nouvelle. On commence bien. J'étais en train de me dire que j'allais vous faire des accélérés parce que ça allait être chiant. Et là, bam, on tombe sur la caverne qui fait du bien. Alors, donc, salut toi, en pied du fer. C'est bon ça. Ah oui, il y a plein de fer. T'es mort. You dead. Oui, je vais faire ce son à chaque fois que je pose une torche. Non, ça va être chiant. Hop. Hey, creepy, creepy. Yo. Il a disparu. Appelez-moi au dîner. Et lui aussi. Hop. Non, on sait qu'ils sont pas morts. Hein. Loin de moi l'idée de croire ce genre de fabulation. Dernière flèche. Soit des sites. Non, ouais, on va le taper. Hop. Et boum.
tu es mort. Il est mort le creeper quand tu m'as laissé. Il est mort l'été. Ok. Attention parce que eux, ils sont... Aïe, mais elle était carrément pas sur moi la flèche. Commence pas toi. Commence pas. Voilà. Je t'ai calmé un peu. Bon d'accord, la caverne. Mais il y a pas mal de fer. Ça c'est bon ça. Le fer c'est bien. Ok, donc ça faisait déjà une bonne semaine qu'on n'avait pas enregistré des de Jeff Deus. Et il y a plusieurs raisons à ça. L'une, et je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il y a eu les Oscars il n'y a pas très longtemps. Il y a à peu près une semaine et demie en fait. Puisque j'en parlais dans le dernier épisode. Et il m'a fallu ouais une bonne semaine et demie, voire même deux semaines, pour me calmer, quoi, parce que là, c'était chaud, quoi. Parce que une fois de plus, et là j'en ai marre, Leonardo DiCaprio n'a pas eu l'Oscar du meilleur acteur, quoi. On est au fond du trou, les gars. Ça va pas du tout. Alors, je vais aller jusqu'au States et je vais leur dire, les mecs, on se calme. Il mérite. Bon, même si Matthew McConaughey a fait une performance incroyable dans Dallas Buyers Club, voilà. Caprio mérite tout autant. Si ce n'est plus, je pose une question ouverte. Alors qu'on ramasse un peu de charbon. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Ah! Vous le voyez que c'est le mec qui sait plus quoi dire et qui sait de commenter, mais il se passe rien. Bon, donc du coup, bah, on continue. Ah, mais non, il y a du fer là-bas encore. Oui. Donc, cette petite caverne s'est révélée fournie. En ferraille. Ouais, 19 fer, c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien. Hey, on va continuer par là. Par là, c'est la mer. Donc, on va aller par là. Et donc, c'est certainement là que ça va s'accélérer. Ouais, j'étais plutôt colère. Là, je me suis calmé vis-à-vis de DiCaprio. Donc, voilà. Là, on va pouvoir rediscuter un petit peu. Et j'ai plus de pioche, en fait. Compliqué. Parce que là, ma pioche va péter. Bon, sinon, vous savez ce que je vais faire. C'est que je vous ferai une ellipse. J'avais dit que je le ferais pas parce que normalement ça vous montre... Mais bon, vous êtes intelligent, vous allez voir sur le côté. Là je suis à 1h34 minutes et 50 secondes. Quand je pèterai ma pioche, je sais pas quel temps il sera. Mais on verra bien. Et donc à ce moment-là, bah... Voilà, maintenant quoi. Hop, je vais aller faire une ellipse pour aller chercher du bois parce que c'est pas très intéressant mine de rien. Et je vous mettrai, en post-prod, je vous mettrai exactement le temps que ça m'a pris. Voilà. À toutes. Ok, donc voilà, on va repartir de là. Donc j'ai ramassé un peu de bois que je vais ranger. Pouf. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est à peu près un stack de bûches, la durabilité d'une hache en pierre. Voilà. Parce que regardez, elle est presque morte. Et donc du coup, un stack de bûches, ça fait 4 stacks de planches. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux maths. Voilà, puis on a quelques torches. Puis on a fait un stuff. J'ai refait des flèches puisque j'ai rencontré des poulets. Des poulets qui m'ont donné un œuf. Et je n'oublie pas hein, le petit défi subsidiaire qu'on m'a donné. Sur les poulets, qu'il faut lancer une flèche en l'air et essayer de toucher un poulet. On le fera. Enfin, on essaiera de le faire. Parce que j'avais pas fait super attention aux commentaires. Et à l'astuce qu'on m'avait donnée. D'utiliser les graines. Pour les diriger ensuite. Donc on essaiera.
va être marrant. Et le mec dit ça avec la voix la plus déprimée du monde. T'sais. Je pense que ça peut être super marrant. Voilà. Bon. À plus. Oh là là, et vraiment au bout de rien du tout en temps. Comme quoi le ménage à petit. Oh yeah, diamonds. Oula, mais la masse. Oh la masse de diamants, j'en ai eu 6 d'un coup. C'est génial. We like diamonds in the sky, I know that we would be right where, I know the world, we shine bright, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Bon. En tout cas, on est super content. C'est cool. Putain, objectif diamant, quoi. Et juste là, regardez. J'étais là. C'est dingue. C'est dingo. Moi, je vous le dis, c'est dingo. Donc, on repart par là. La nuit sera retombée entre-temps, bien sûr. Oh, ok, d'accord. Ce serait con de mourir là. Il va me suivre en plus, ce con. Ah oui, ah oui. Non. Ouais, oh oui. Pousse-toi. Non, non. Ah, punaise. Je voulais tenter le CD. C'est manqué. Allez. Non, celle-là, c'est lui. Je l'aurais pas raté, donc... Ok. Donc là... Taïo! Aïe! Aïe! C'était chaud. Mais 48 de redstone aussi. Ça c'est pas mal. Je suis assez content. Très très bonne expédition. Non, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que... Ouais. C'est que j'ai pas d'obsidienne. Ceci dit, j'avais pas de boîte pour faire une pioche en diamant, donc... Donc voilà qui est fait.
Oh là là, la magie. Regardez ça. La pioche. Oh, la pioche en diable. Ok. Voilà, je suis soulagé. De chez soulagé. Du coup, j'ai pas du tout checké le temps. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc on va se quitter là-dessus, diamant en main. Pas de pacotille. Chaîne en or qui brille. Oui, bah oui, c'est le diamond, quoi. Rien à voir. Donc on va dormir. Non, je peux pas dormir parce qu'il y a des monsters nearby. Bon, on va faire un peu de rangement. De rangement. Ça, on en a pas besoin. En fait, on a besoin de rien en fait. Hop, on a juste besoin de ça. Ça en range. Ça aussi. Touk. En fait, j'ai même pas de seau d'eau en plus. J'avais pris le seau mais pas mis d'eau dedans quoi. Bravo. C'est vrai que j'avais un breaking là-dessus. Plutôt pratique. Ok. Et bah écoutez. On va se quitter là. J'étais plutôt content de vous retrouver. On aura certainement un deuxième dans pas très longtemps. Voilà. Donc restez sur vos sièges et attendez que ça passe. Et on va finir avec le petit proverbe. Qui est un proverbe de Keats. Donc qui est un poète anglais, semble-t-il. John Keats. Toute beauté est une joie éternelle. Voilà, un peu comme le diamant. Et là, est-ce qu'on voit Non, il est là-bas. Non, on ne le voit pas. Mais ce ciel est beau aussi. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire de rester zen. À la prochaine.